ça roulait très fort. Et du coup, j'ai tenté. Après, bon, les jambes sont encore un peu moyennes. Mais bon, c'était bien de tenter. C'est dommage d'avoir loupé le premier coup, même si c'était vraiment des costauds devant. Ils se font reprendre à pas grand chose. Ils se font reprendre pas loin, ouais. Les jambes sont encore moyennes, vous dites. Pour vous, attaquer, essayer d'attraper les attaques, c'est aussi la moyen de se mettre en jambes un peu avant que la montagne arrive, qui vous convient? Ouais, c'est de me rassurer. J'ai passé vraiment une mauvaise, très mauvaise journée, même hier. Et déjà là, ça me rassure énormément ma condition aujourd'hui. Et puis pour la suite, j'espère que ça va aller mieux. Mais déjà, c'était moins rassuré par rapport à hier, parce que hier, ça n'allait pas du tout. Quoi. Demain, la Camperona, donc vous êtes rassuré. Ça peut être quelque chose qui vous convient? Bon, ça va être de prendre. De toute façon, moi, c'est de prendre une échappée. Hein. Je suis loin en général maintenant, donc le but, c'est de prendre une échappée. Et puis voilà, toutes les étapes qui vont arriver maintenant sont dures, avec de grandes chances que l'échappée aille au bout. Hein. Et l'ascension elle-même, la Camperona, vous en pensez quoi? Je connais pas du tout. Après, j'ai vu que c'était avec des gros pourcentages, mais c'est vrai que je connais pas non plus cette ascension-là. Je vais plus me renseigner avec Romain Sicard, qui connaît bien le coin. Ouais.